Aujourd'hui, je rencontre Cédric Nankin et Riyad Salem qui vont m'initier au rugby fauteuil. Je vous avoue que je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Rugby fauteuil, c'est plutôt antinomique. Je n'ai pas vraiment le temps de me poser de questions, que les présentations sont faites. Et Riyad, membre de l'équipe de France, m'explique les jeux d'entraînement que nous allons faire. Mes premiers contacts avec ce sport sont difficiles. À côté de moi, je vois Cédric et Riyad déborder, défendre, aller au contact, accélérer, bref, on se croirait en pleine bagarre au cœur d'une mêlée. Et petit à petit, je me prends au jeu et je commence à déborder Riyad grâce à une ouverture lumineuse de Cédric. Ça y est, mon premier essai. Au fil de cet entraînement, je me rends compte de leur prouesse technique et physique. Ça fait 45 minutes que l'on joue. Je suis complètement crevé. Eux sont encore prêts à en découdre. J'ai retrouvé dans le rugby fauteuil les valeurs du rugby, engagement, don de soi, esprit d'équipe et franche camaraderie. Au-delà de ces valeurs, je me rends surtout compte que ce n'est pas parce qu'ils sont en fauteuil qu'il y a des limites. Il faut vraiment balayer nos idées reçues en matière de handicap.